j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle journée. Je viens juste de vous clôturer le vlog d'hier, en retard évidemment. Je vous ai montré un petit peu mon bullet journal. Et là, comme je vous le disais, il faut que je fasse un petit peu de rangement, que je monte le vlog d'hier et que j'attaque la cuisine parce que j'en ai pour un petit moment en cuisine. Voilà, je vous montrerai rapidement ce que je vais faire à manger et puis après on se retrouvera au moment du repas. Kayla s'est réveillée, elle joue un petit peu à sa DS. Elle adore sa DS, elle est contente. Ma DS plus que l'iPad. Tu préfères la DS que l'iPad? D'accord. Faut que je te coiffe. Hein. Je fais du lion, Kayla. Elle a des trop beaux cheveux, j'adore ses cheveux. Vous voyez tout ce qu'il y a là-bas? Faut que je range ça. Et accessoirement ça aussi. Mais c'est tout. Après j'ai tout rangé la maison, donc c'est cool. Peut-être la salle de bain, je sais pas. Bon, je vais faire un tour de partout avant que les invités arrivent. Je suis jeune, très jeune. Merci mes ampoules qui sont très jeunes. Aaron vient de se réveiller, il a pris son biberon, il a mangé le gâteau à côté de maman. Pendant que moi j'attaque la poularde, parce que là il est quasiment 10h en fait, je vous ai monté le vlog et ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc mais bon ça va, il faut 2h, 2h30 après pour que ça cuise, donc ça sera prêt vers midi et demi, donc ça va. Je vais le lancer tout de suite, donc je vais l'ouvrir, je vais le beurrer, l'huiler, l'assaisonner et je la mets au four. Et du coup ils disent qu'il faut mettre au four 170 degrés. Je mette un peu d'eau et faut que je fasse cuire 1 heure par kilo. Il y a 2 kilos, donc 2h20 à peu près. Et laisser reposer avant de découper. Ok. Bon, ben, on va attaquer ça. Au four, j'attaque les pommes de terre. Et vous attendez en fond, j'ai mis Tarzan à Aaron. On va voir si ça lui plaît. J'ai changé Aaron, je sais pas si vous voyez sa tenue. C'est une capuche avec des oreilles de lapin. C'est Woody, ouais, il manque le chapeau. Je suis le chef Woody. Buzz, tu as beaucoup à apprendre avant de devenir un cowboy. Le petit Buzz. Aaron joue avec Woody et Buzz. Et Kayla joue avec les pinipones. J'ai dit non. Re-coucou tout le monde, on se retrouve beaucoup plus tard. On vient de finir de manger. J'ai oublié de vous montrer le repas. C'est pas très grave, c'était très très bon. J'ai fait la poularde que je vous avais montré. Ça a très bien cuit, c'était très très bon. Et il en reste une toute... Je vais vous montrer, ça m'en fout de partout. Il reste une toute petite boîte, ça sera pour ce soir. Et le gratin de patates par contre il m'en reste pas mal, donc ça sera pour ce soir aussi. Le tiramisu je vous le montre avant qu'on le mange cette fois-ci parce que sinon je vais encore oublier. Voilà ce que ça donne. Le tiramisu Kinder. Donc on va goûter ça, mais j'ai déjà un peu goûté parce que les petits en ont mangé. Et c'était plutôt pas mal. Alors c'est pas le meilleur tiramisu que j'ai mangé. Je préfère le tiramisu spéculoos en fait. Mais bon c'est sympa, franchement c'est pas mal. Kayla va aller à la boîte aux lettres et du coup on a reçu, tu nous montres ? La famille des souris qu'elle a commandé avec son argent justement de la petite souris. Donc on va l'ouvrir et puis elle va aller jouer.
Tu peux l'ouvrir, vas-y. Attends, je vais t'aider. Ouais, chez les ciseaux. Ouais, chez les ciseaux. Non. Attends, je la montre. Ils sont jolis. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils sont à 10 euros en ce moment sur Amazon. Voilà ce que ça fait les enfants en une après-midi. Là, ils se sont amusés avec le dessinéo, là, c'est cool, hein. Ils ont fait des super jolis dessins. Et voilà, bon, maintenant il faut ranger tout ça. Et puis voilà. Bon, j'ai un peu rangé. Aaron s'est réveillé. Et lui aussi veut faire du coloriage, donc il fait du coloriage. C'est vraiment cool ce truc, hein. J'ai appuyé. Fais gaffe, il va bientôt revenir. Quoi? Ah mince, bah c'est pas grave, prends notre fête noire, regarde. Prends celui-là. C'est pas grave, Kayla, prends celui-là, regarde. Ouais, on fait ce qu'on peut. C'est joli, hein. Comment tu vas, Gillian? Coucou les amis, on se retrouve. On est. On est quel jour? On est samedi. Il est 9h30, quelque chose comme ça. Je vous inclue le vlog maintenant parce que ben, on peut traîner ce matin. On a déjeuné, tout ça. Et on s'est préparé pour partir. Donc là, j'ai pris Aaron parce qu'il y a papa à la maison. Mais il dort à moitié, donc j'ai préféré prendre Aaron avec moi. Et bon, j'ai laissé Kayla parce que Kayla, elle sera très capable de réveiller son père si elle a besoin de quelque chose. Et voilà, puis elle a ses crampes pour se débrouiller un peu toute seule. Donc, puis elle aime bien quand je la laisse comme ça. Bon, après, je vais pas très loin, j'en ai pas pour très longtemps. Mais voilà, en tout cas avec son papa, donc elle risque rien. Et moi je dois aller rapidement à Carrefour Market récupérer des nounours qu'ils ont fait une opération avec des vignettes. J'en avais collecté assez pour les nounours, donc je vais aller les chercher avant que ça soit fini, s'il y en a encore j'espère. Et je vais aller à Ikea parce qu'ils faisaient une opération pour récupérer les textiles. Donc je vais tenter de ramener des serviettes de bain usées que je comptais jeter. Et s'ils peuvent les récupérer et qu'en échange pour mon achat, ce sera toujours ça de prix. Voilà, et puis après je rentre et cet après-midi on va aller au marché de Noël normalement. Voilà. Ça va, Aaron? Hop. Hop. Ils sont partis, les oiseaux? Parce qu'Aaron, il regardait les oiseaux. Bon, à tout à l'heure. Coucou les amis, on se retrouve, je viens de sortir d'Ikea. Enfin, je sors du parking là, au moment où on se parle. Ça m'a saoulée. Alors, pas pour le truc de reprise textile, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment super. Elle m'a tout pris et tout. Enfin, c'était des trucs vachement usés que de toute façon, j'allais jeter. C'était pas sale, hein. C'était juste usé. C'est des serviettes qui étaient complètement fanées, des serviettes de bain. Et du coup, ils m'ont tout repris. Donc, j'ai eu un bon d'achat de 20 euros. Donc, ça, c'est cool et c'est bon à savoir. Par contre, l'opération est finie quand vous verrez cette vidéo. Mais je pense que c'est une opération qu'ils font régulièrement. Donc, à savoir pour la prochaine fois. Après, j'ai voulu chercher des cases de rangement pour le meuble de petit. Ça, je les ai trouvées sans souci. Et après, je voulais me prendre ma paire de draps que j'ai envie depuis je ne sais pas combien de temps. Je me suis dit, je vais profiter de ce bon d'achat pour les prendre. Et parce qu'elles coûtent 40 euros, donc voilà, ça me faisait 20 euros, c'était un peu plus correct. Et donc, je prends ma paire de draps, je passe à la caisse, 59,99 €. J'ai dit, what? J'ai dit, non, c'est pas ce prix-là et tout. Et en fait, elle m'a dit, il y a deux tailles de parure de draps en fait de place. Il y a la grande et il y a les normales. Et du coup, j'avais pris la grande. Donc elle me dit, j'ai mais pas, du coup la personne, parce qu'elle avait une carte de téléphone, j'ai pas me prendre l'autre taille, il me l'a ramené, elle me dit non, faut vous retourner en magasin. Donc je suis retournée dans le magasin, pour ceux qui connaissent Ikea, c'est le labyrinthe, il faut passer de partout, c'est vraiment très relou. Du coup j'ai dû refaire tout le tour de magasin, je suis allée au rayon de parure de draps, il y avait plus les parures de draps. Donc, enfin il n'avait pas la bonne taille. Donc j'ai cherché pour trouver une vendeuse, j'ai attendu parce qu'elle était occupée. Ensuite une fois que je l'ai eu, elle me dit, ah ben oui, il n'y en a plus. Elle m'a dit, ben, je peux juste vous dire quand je vais en recevoir, donc ben, ça sera début de semaine prochaine. Donc voilà, il faut que je revienne la semaine prochaine pour ma parure de drap, donc bon, c'est relou. Et après, j'ai dû refaire le dédale pour ressortir, pour aller payer mes caisses de rangement. Donc voilà, ça m'a perdu une heure pour acheter deux trucs, et bon, ramener les affaires, bon, c'est pas très grave. Je suis contente, j'ai gagné mon bon d'achat quand même, c'est bien. Mais bon, je déteste, ça m'énerve pour ça, Ika, parce que t'es obligé de passer deux partout, et c'est saoulant. Enfin, quand t'as besoin d'un truc spécialement, c'est chiant. Donc là, il est 11h30, il faut que je me dépêche de rentrer pour faire manger le petit, le mettre à la sieste. Et ensuite, on se prépare pour aller faire une balade avec, au marché de Noël avec Kayla et ma maman. Donc à tout à l'heure. Non, pas à la piscine, il fait froid pour aller à la piscine. On va aller au marché de Noël de Palavas. Là, les petits mangent. Du coup, hier soir, j'avais fait des coquillettes ben, pour que ça soit déjà prêt pour ce midi parce que je savais que j'allais arriver juste. Donc je leur ai mis du jaune d'œuf à l'intérieur et un peu de crème. Voilà. Qui mange ça. Moi je me suis lancée du riz au cookéo, je le mangerai après, comme ça j'aurai le riz de près aussi pour ce soir. Je vous montre les doudous qu'on a eu à Carrefour Market avec les petites vignettes. Donc on a pris celui-ci,
celui-ci et le renard, qui est le préféré de Aaron. Oui, je te le mets là. Je te mets là. Il me dit de le remettre à côté de lui. Voilà. Alors, ces petits nounours, il fallait avoir 20 vignettes pour les avoir gratuitement. Ou sinon, 10 vignettes, vous le payez 3 euros, je crois. Du coup, moi j'avais 60 vignettes que ma mère m'avait passé, une de mes tantes aussi, et du coup j'en avais pas mal. Parce qu'en fait, ils donnaient une vignette à partir de 30 euros d'achat, donc c'est un peu. Plus préféré. C'est un peu de foutage de gueule, mais bon. Mon plus préféré, c'est celui-là. Et le moins préféré, c'est lui. C'est vrai qu'il est mignon. Encore. Mais il n'y en a plus, ça fait deux fois que je te donne. Encore. Et là, tu donnes une ou deux cuillères pour ton frère. Une ou deux cuillères, c'est tout. Une, vas-y. Une. Kayla donne un petit peu. Non, Kayla. Voilà. Tiens. Et voilà, donc après je vais essayer de mettre Aaron à la sieste. Moi je vais mettre ma vaisselle dans le lave-vaisselle. Et puis voilà. Et puis après on se préparera pour partir. Au manège Palavas. Au manège Palavas et. Ouais. Faut que je range de table aussi. Il y a des trucs qui traînent, ça m'agace. Enfin bon, à tout à l'heure. Ah, tu réfléchis au doudou que tu vas donner à Jordan? Oui, parce qu'en fait c'était mon moins préféré en plus. Lequel c'est ton moins préféré? Ben, celui qui part en chat. Ah d'accord, c'est bon, tu lui donneras celui-là alors. Pas mon petit chat. Non, tu parleras le petit chat. Il y a deux petits chats. Il y a un petit chat et un renard. Et l'autre, c'est un autre animal, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ça commence par un chat. Je sais pas. Le soleil. Bon, et on va pas la masse. Marché Noël. Et on a peur de Jordan. Il est malade. Ouais. Il y a pas de bruit dans la voiture. Bon, forcément, il y a une petite fille toute seule. Elle va faire du bordel toute seule. Donc voilà, on va quand même aller faire un petit tour et puis après je dois passer au magasin acheter 2-3 bricoles. Donc voilà, enfin, histoire de prendre l'air. Godard, quelle est là? On va aller au manège.
Donc là, on est rentré un petit moment qu'elle a fait un bain et elle essaye de jouer. Donc, je vais vous montrer. Il y a Ron aussi. Il est là. Vas-y. Et du coup, on teste la petite sirène poney. Sympa, hein? Elle est jolie, hein? Doucement. Recoucou tout le monde, on se retrouve un peu plus tard. Donc là les petits enfin, sont en train de jouer, ils vont pas tarder à aller se coucher. On a mangé du coup les restes de midi. J'avais fait du riz pour être tranquille et j'ai fait des boissons panées. Là je vais aller bosser sur mon bullet journal. J'essaierai de vous refaire encore une petite séquence où je vous montrerai où j'en suis. J'ai bien avancé mais j'ai pas encore terminé tout ce que je voudrais terminer avant le 1er janvier. Donc je vais essayer de bosser un maximum ce soir et demain aussi un peu après-midi. Je tenais aussi à faire une petite dédicace à une jeune fille qui me l'a demandé. Je l'ai mis au défi de commenter chaque vlogmas que j'ai fait et elle l'a fait avec brio. Donc Nassima, je te fais des gros bisous et je te remercie pour ton soutien et pour tout ton amour. Je tenais aussi toutes à vous remercier pour votre soutien, pour votre accueil pour les vlogmas, pour toutes les personnes aussi qui commentent régulièrement. Isa Chineuse, Elvira, Sweet Love Family, Amina, Spicy, Marie-Lewillon, Cécile, Charlie, ouais. Fifi, enfin bref, je peux pas toutes vous citer et je suis désolée mais voilà, sachez que je lis tous vos commentaires, que ça me fait toujours très plaisir, vous êtes vraiment adorables avec moi. Et voilà, je suis contente que ça vous fasse plaisir aussi de me suivre un petit peu dans mon quotidien qui n'a rien d'extraordinaire. Mais voilà, moi ça me fait plaisir d'échanger avec vous en tout cas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Et j'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon jour de l'an et que vous aurez une merveilleuse année. Voilà, ce sera la dernière vidéo, celle-ci de l'année. Parce que ben, je vous vloguerai le réveillon du jour de l'an, mais du coup vous l'aurez que quand on sera en 2018. Mais bon, là, c'est ma dernière vidéo de l'année, donc je voulais quand même vous faire un petit message à tous et à toutes, et en particulier du coup à Nassima qui a relevé mon petit défi. T'as assuré ma belle. Donc voilà les filles, je vous fais des gros bisous. Mais je vous finis pas encore tout de suite le vlog, parce que comme je vous l'ai dit, je vous montre le bullet journal un peu plus tard. A tout à l'heure. Alors, recoucou tout le monde, on se retrouve, il est presque minuit, j'ai les yeux explosés, j'ai même mal aux mains en fait tellement j'ai fait mon bullet, mais je suis contente, j'ai bien avancé, donc je vous montre rapidement parce que je vois que j'ai plus de batterie, donc je vous montre rapidement là où j'en suis. Donc voilà, je pense que j'en étais vers là, donc j'avais fait cette page, j'avais fait au crayon, donc là j'ai tout repassé au stylo, demain je mettrai les couleurs parce que j'attends que l'encre en fait sèche, même si c'est à peu près sec, je veux pas prendre de risque, il faudra que je gomme aussi tout le crayon en fait qu'il y a dessous. Là pareil, donc j'ai tout repassé au feutre noir, il faudra que je gomme et que je mette les couleurs demain. Ça c'est la page des rêves, je ne l'ai pas fait pour l'instant, je la ferai plus tard parce que je préfère en fait préparer mes plannings, ça j'aurai le temps de le faire après. Là c'est la page projet d'appartement, donc celle-ci je l'ai faite entièrement aujourd'hui. J'ai listé en fait par endroit de l'appartement toutes les choses qu'on a offert. Des fois faire de la peinture, des fois changer la place de changer des meubles de place. Je suis désolée, j'arrive plus à aligner deux mots, c'est la fatigue. Et du coup voilà, on a quand même pas mal de choses à faire. Après on fera pas tout cette année, je pense pas, mais voilà, c'est pour avoir une idée de base de tout ce qu'il y a à faire. Ensuite on arrive au planning de repas. J'ai vu, en fait j'ai pris l'idée dans, enfin je pense qu'elle l'avait déjà pris ailleurs, mais moi je l'ai vu dans l'idée, je l'ai vu sur la vidéo bullet journal de la chaîne de Marjorie, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais pas où elle avait pêché l'idée, mais en tout cas moi je l'ai vu dans sa vidéo. Donc là on a le planning de la semaine, et là en fait sur des petits post-it on a tous les idées de repas. Donc là c'est tout ce qui est viande, poisson, etc. Ça c'est tout ce qui est plat à base de légumes, et ça c'est tous les accompagnements, patates, pâtes, purée, riz. Là en bleu c'est toutes les différentes sauces que je fais. Ça c'est les plats en fait qui font un seul, enfin je sais pas trop comment expliquer, par exemple les pizzas, les lasagnes, la chiparmentier, voilà, tout ça c'est là. Les boîtes aussi, lentilles, cassoulet, enfin voilà, c'est les trucs qui font un seul repas. Et du coup voilà, donc j'ai encore quand même pas mal de place, j'ai mis quand même pas mal d'idées. Et en fait le principe c'est que chaque, en fait à chaque fois je prendrai un petit post-it comme ça. Et je ferai mon planning comme ça de la semaine pour les courses. Donc on va tester, je trouvais l'idée plutôt sympa. Voilà, et donc c'est tout pour ce soir. Ouais c'est tout. Et du coup demain je dois... Demain j'attaque le calendrier annuel, les trackers pour l'année. Et du coup le planning mensuel après du mois de janvier avec la première page du mois de janvier. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça demain matin et après-midi histoire d'être parée pour le 1er janvier. Et puis je ferai les couleurs ici, là j'ai envie de faire un truc assez coloré. Donc voilà, je vais voir, mais je vous referai un point du coup demain.
Voilà pour mon petit bullet. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour cette fin d'année, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Mes meilleurs vœux à vous toutes et tous. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à très bientôt.